Salut, salut tout le monde. Très bon dimanche à tous mes super abonnés, mes chers et tendres abonnés. En tout cas, que Dieu vous bénisse en ce jour, qu'il exauce tous vos voeux et qu'il vous donne toujours la force et la santé nécessaires de suivre les vidéos de Rito, de les partager, de parler de Rito autour de vous. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Cette vidéo-là, c'est pour réagir un peu sur la polémique. Apparemment, j'ai l'impression que les Ivoiriens n'ont pas envie de taire ce débat-là. Déjà même que je vous annonce que j'attends comme vous le direct inédit que nous a promis Didier Arafat ce 14 sur sa page Facebook. En attendant, j'aimerais bien réagir sur, bien analyser, si vous voulez, le poste de Ariel Chiné, parce qu'il m'intrigue jusqu'à actuellement. Voilà. Informer aussi les fans des Bordeaux que, à partir de 16h, je ferai une deuxième vidéo réaction, mais ce sera une vidéo réaction des déconstructions. Voilà. Quand on n'a pas d'argument, on ne parle pas trop. Voilà. Donc, on va se prendre juste après le générique pour commencer la vidéo, les amis. Ils l'ont fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est concret, concret, à la base. Je procède à des virements. Voilà, bon retour les gars. J'espère que vous allez bien. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez bien remarqué que j'ai publié dans ma communauté YouTube une affiche où vous voyez clairement Didier Arafat et Serge Blinot. Si vous vous rappelez bien, en début de semaine, je n'ai pas dit depuis la semaine passée, je vous parle d'une nouvelle émission que j'ai décidé de mettre en ligne, de diffuser sur ma chaîne Héritage de Cher TV, où je vous mets en lumière, je mets en lumière la plupart de mes abonnés qui désiront se prêter à cette émission-là. Voilà. Donc, tu es fan de Serge Beno, tu es fan de Didier Arafat, j'attends ta vidéo. Je vous explique brièvement le concept. Je vous ai dit que c'est une émission dans laquelle où on vient justifier pourquoi nous sommes fans d'un tel ou un tel artiste et dit pourquoi nous ne sommes pas fans de l'artiste qui est opposé à notre artiste du jour. Voilà, vous comprenez un peu le concept, c'est un peu ça. Tu fais ta vidéo, 5 minutes minimum, si tu es inspiré pour faire 10 minutes, en tout cas, il faut avoir de très bons arguments. Si ta vidéo est chose, convaincante, elle se verra passer sur Héritage de Cher TV. Voilà, parce que je sais que cette émission-là va prendre. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous vont partager la vidéo. Parce que beaucoup sont déjà en alerte par rapport à cette première affiche-là qui concerne Didier Arafat et Serge Beno. Donc je compte vraiment sur vous. Le numéro est sur l'affiche. Le numéro est même en truc, on va dire, dans la description, dans ma communauté YouTube. C'est le plus 225 89 77 37 28. Envoyez vos vidéos là-bas et les meilleures seront retenues pour la première diffusion demain 18h de Versus Fan. Je compte vraiment sur vous. Je vous ai expliqué brièvement le concept. J'attends massivement vos vidéos. Voilà. Cependant, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Ariel Chiné dit quoi dans son poste? Son poste dit quoi? J'ai dit et je cite. Je laisse les premières phrases là où il essayait de défendre Serédier. Chose qui est très noble. Mais il dit et je cite. Amina est petit. J'arrive bientôt. Bon, bien avant qu'on décortique un peu cette phrase-là, j'aimerais m'arrêter un instant et m'adresser à certains groupes de personnes. Les amis, donc si je comprends bien, Eritor, quand il parle d'autres artistes, ça ne vous dérange pas. Parce que moi, j'ai pratiquement parlé de tous les artistes du coupé décalé. Voilà, je suis l'un des rares youtubeurs qui a déjà parlé de tous les artistes du coupé décalé. Même si c'est une ou deux fois, au moins, c'est déjà parlé d'eux. Mais je ne sais pas, pour le cas Arafat, chaque fois que je me prononce sur le cas Arafat, on me dit que je défends Arafat. Donc aujourd'hui, moi et Rito, qu'on a menacé, que le conseiller m'a déjà menacé là, c'est moi qui défends Arafat aujourd'hui. Normalement, si vous êtes sage, vous devez comprendre que moi je suis du côté de la justice en fait. Et puis, vous prêtez pas attention à mes propos, vous ne comprenez pas bien ce que je dis. Vous, comme la personne d'Arafat, ne vous plaît pas. Quand Rito se prononce dessus, ou il essaie de vous faire comprendre, de vous raisonner un peu, vous trouvez que non, Eritor était lâche, c'était un suceur, il ne fait que défendre Didier Arafat. Je suis désolé, je ne défends pas Didier Arafat. Peut-être Didier Arafat même comprend mieux le français que vous, parce que je suis celui-là même qui dit des vérités blessantes sans insulter. Pendant que je change de donner de la force, pendant que je change de te défendre là, je change de te dire que oui, je te défends, parce que je trouve que certaines personnes exagèrent, mais toi aussi, il faut te revoir, parce que tu ne fais pas bien les choses. C'est comme ça que moi je fonctionne en fait. Mais comme vous, vous attendez à ce que Yeritov vienne insulter Didier Arafat, rabouer Didier Arafat, rabaisser Didier Arafat, dénigrer Didier Arafat. Quand je viens faire des vidéos de synthèse, vous faire comprendre que certes, l'artiste a fait un truc qui était déplacé, mais je trouve qu'il y a eu trop d'acharnement autour de lui. Vous trouvez que je suis en train de défendre Didier Arafat. C'est mon français, vous ne comprenez pas ou bien c'est Didier Arafat que vous détestez. Parce que souvent, il faut arrêter.
C'est vous les mêmes qui venez, revenez en commentaire aussi pour dire que non, tu insultes trop Didier Arafat, tu es trop sous Didier Arafat. Mais les rares moments, je dis bien les rares moments où j'essaie de doser tout en conseillant, tout en analysant bien la situation, vous trouvez que je défends Didier Arafat. Je défends Didier Arafat par rapport à quoi? C'est pas mon parent. Moi, je suis chroniqueur, je suis un youtubeur. Je regarde un cas, j'analyse et je donne mon avis. Je ne vous dis pas que mon avis, là, il est universel. Mais ne venez pas me prêter un nom qui ne me sied pas bien, qui n'est pas de moi. Ce n'est pas intéressant. Je ne défends aucun artiste ici. Bien le contraire, je fais la promotion. Chaque fois que je parle d'un artiste sur ma chaîne, c'est pour dire à ses fans, c'est pour dire aux mélomanes, c'est pour dire aux fans du Coupé Décalé ou même de la musique ivoirienne que cet artiste, il existe en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui désiraient que Eriton parle d'eux, mais je ne le fais pas. Donc, faut arrêter. Tu défends Didier Arafat, tu défends Didier Arafat. Donc, dépasser mon temps à l'insulter, quoi. Dépasser mon temps à le rabaisser. Si vous trouvez que je défends trop Didier Arafat, vous vous désabonnez de ma chaîne tranquillement. Aïe! Depuis là, vous vous désabonnez, mais les abonnés augmentent seulement. Mais vous êtes tous dans le même débat. Arrêtez! Moi, je vous ai déjà dit, moi, sur YouTube ici, là, il y a des rares personnes que je suis. Même Will Steph avec qui même j'ai fait, j'étais en classe à un moment là, avec quelqu'un que je suis. Précivi, je le suis. On peut dire qu'à vous, ça fait un moment qu'il n'y a plus de vidéos. Lui, je le suis. Thierry le champion, je le suis. Mais il y a des gens qui ne regardent pas. On m'envoie les vidéos inbox pour que je puisse voir ce qu'ils disent. Ils ne m'intéressent pas. Donc, quand quelqu'un ne vous intéresse pas, là, au lieu de toujours envoyer de faux jugements envers sa personne, là, vous l'ignorez simplement. Là, vous ne recevrez plus mes vidéos, vous ne recevrez plus de notifications, vous vivez tranquillement. Eric est en train de défendre des Bordeaux, il est en train de défendre des Jaguars de la bêtise. Ça, c'est notre problème. Mais Dieu seul sait que ce n'est pas ce que je fais. Donc, il faut arrêter. Bref, revenons au sujet. Excusez-moi si j'ai été un peu long, mais souvent, c'est bien aussi de mettre les points sur les i. Arrête, je nous dis que Amina est petit, qu'il arrive bientôt. Vous savez pourquoi il réagit dessus? Si vous vous rappelez bien, lorsque la polémique Amina avait commencé, le buzz Amina avait commencé, vous vous rappelez les directs que Didier Arafat avait multiplié contre Ariel Chiné. Si vous vous rappelez bien, mes vidéos sont là. Moi, je parle avec les preuves. Et les preuves sont vivantes. Ce n'est pas la télévision pour dire qu'il faut aller demander une audience pour qu'on refait un truc, comment ils disent ça. Une rediffusion. C'est là, il suffit de taper son nom. Dans les vidéos d'Amina sur YouTube, en tout cas, c'est l'année 2019, là, je pense que mes vidéos ont été bien référencées. Donc, si vous tapez force, vous allez voir ces vidéos-là. J'ai été celui-là qui est venu dire à Didier Arafat que tu en veux trop au petit. Tu attaques trop le petit. Le petit même ne t'adresse même pas la parole, il ne s'occupe même pas de toi, mais tu l'adresses. Si vous vous rappelez bien, c'est moi, Eriton, qui faisais ça. C'est moi, Eriton, qui disais ça. Donc, comme moi, des mois plus tard, parce qu'il y a une situation. Ou Didier Arafat, dans sa colère, s'est oublié et a envoyé une injure que j'appellerai passe-partout chez les Ivoiriens parce que, hey, même quand tu es le baka, que l'apprenti se comporte d'une manière, là, tu dis, oh, toi, tu es un maudia. Ou bien l'apprenti m'a dit, c'est un maudia. Il y a des injures passe-partout ici. Bien vrai que ça reste des injures. Je vais dire que c'est des injures tolérables en Côte d'Ivoire ici. Et puis le mec vous dit qu'il était énervé. Quand j'ai fait ma vidéo, là, qu'est-ce que j'ai dit? Même si tu étais énervé, tu as mal fait. Demande des excuses et on avance. Même s'il sait qu'il ne va pas s'excuser, mais c'est ce que j'ai fait. Vous voulez que je fasse quoi? Que je vienne insulter Didier Arafat comme certains l'ont fait? Que je vienne mettre en lumière ses défauts? Non, je ne le ferai pas. Parce que j'ai dit que je ne le ferai plus. Moi, je suis là pour réconcilier les acteurs de la musique ivoirienne, surtout du Coupé Décalé. Donc, je ne suis pas là à venir dire c'est mamie, c'est l'autre. Non, je ne suis pas sur ce débat-là. Donc, si je fais cette vidéo-là, c'est pour dire à Ariel Chiné que, ah, moi perso, hein, ton poste m'a un peu choqué, ton poste m'a un peu surpris. Parce que je ne te sais pas comme ça. On va te demander, tu vas dire que tu ne t'adresses pas à Didier Arafat. Or, on sait bien que le seul artiste dans votre groupe qui a fait beaucoup de bruit autour d'Amina, qui a même insulté Maria Mobile, qui t'a même insulté, qui t'a vilipendé, qui t'a attaqué, qui t'a clashé dans 1000 et 100 000 directs, c'est bien Didier Arafat. On va te demander si c'est à Didier Arafat, c'est pas ce que tu as adressé. Tu diras non, comme d'habitude. Moi, je n'aime pas les hommes hypocrites. Je ne dis pas que tu es hypocrite, mais là, je reste sur ma faim parce que je me dis que tu joues à double jeu. Voilà. Moi, depuis un moment, on me dit que tu joues à double jeu, mais je me dis que. J'ai appris à te connaître en tant qu'artiste et tu es quelqu'un de vrai. Ce genre de poste, c'est ce qui envoie les palabres. Je pouvais passer dessus, mais ce que tu ne sais pas, beaucoup dans l'homme se sont arrêtés sur ce poste-là. Beaucoup dans l'homme t'ont insulté à cause de ce poste-là. Ce n'est pas intéressant. Parce que ce que tu ne sais pas, quand tu dis que Amina est petit, imagine que tu fais sortir un morceau qui ne cartonne pas comme Amina. Tu ne serais pas en train de te fermer comme ça. Dieu t'a fait la grâce de mousser actuellement et puis nous, particulièrement moi, là, je suis très fier, très content de ça. Mais il ne faut pas commencer à avoir la grosse tête. Voyez ce propos-là. Voilà, c'est les artistes comme Debordo, Didier Arafat, là. Eux, quand ils disent, ils confirment. Ils parlent et puis ils confirment.
Je dis pas qu'ils sont forts que toi, hein. C'est pas de ça que tu parles, c'est pas ça le débat. Mais je viens de te dire que toi, tu ne fonctionnes pas comme ça. Voilà. Tu as le gars qui dit, moi, il vient, il va tuer, il va tuer. Mais quand il dit non, Amina est petit, c'est pour des gens. C'est qu'Amina vous a fait, vous allez crier sur les toits là, c'est petit. C'est parce que vous allez devenir fou. En d'autres termes, c'est ce que ça signifie en fait. Et là, moi, j'ai vraiment pas apprécié. Moi, je te connais pas comme ça. Je connais bien ton cousin Salomon. Il sait combien de fois je t'apprécie. Il sait combien de fois je t'ai défendu sur les réseaux sociaux. Il sait combien de fois je fais ta conscience sur les réseaux sociaux. Mais quand tu rentres dans ce genre de langage là, moi, je peux pas être derrière toi. Parce que moi là, on est en Afrique, on n'est pas autre chose en Europe. Les gens qui parlent, là, moi, ils les écoutent pas. Moi, je suis dans la justice, dans le vrai. Il faut toujours respecter les aînés. Voilà. Il faut toujours absolument respecter les aînés. Ils vont me dire que les aînés ne te respectent pas. Ah bon? Vous pensez que quand on est dans une famille, là, c'est parce que les parents ont toujours raison qu'on les doit respecter. C'est parce que l'Afrique est comme ça. Son enfant, ça ne se passe pas comme ça. Le parent fait du mal à l'enfant, il chie pour lui, pour son parent, mais c'est son parent qui vient demander pardon. Vous comprenez un peu, non? Mais ici, on est en Afrique. Dans vos débats, vos arguments à deux balles, là, ne mettez même pas ça en commentaire. Vous voyez, ça n'a aucun poids. Et Arachiné, ce que tu as dit là, ça pèse lourd, hein. Et puis moi, perso, j'attends. Là, après Amina, là, moi, j'attends ça. J'espère que tu as confirmé. Tu as le talent pour ça. Mais il ne faut pas rester dans ce débat-là. Non. Je comprends que tu as voulu défendre ton cousin, ton frère, Siridier. Ça s'arrête là. Mais cette petite phrase de la fin, là, moi, il n'y a pas apprécié. Il n'est vraiment, vraiment pas apprécié. Tu connais Bédi Jarafa. Tu connais son fonctionnement. Tu sais comment il est. C'est pas aujourd'hui, là, tu as venu donner un autre visage et puis derrière moi, interpréter ça autrement. Il ne faut pas regarder les gens qui t'encouragent, là. Ouais, c'est grâce à Didier Arafat que tu es là où tu es aujourd'hui. Voilà. Parlons du talent, mais c'est Didier Arafat qui t'a révélé. En cas dosé. En cas, c'est dit la vérité. En tout cas, il m'a arrêté là. J'attends le direct de Didier Arafat. S'il y a lieu de réagir dessus, je vais réagir. Mais en cas dosé. Et puis ceux qui n'aiment pas me voir défendre Didier Arafat là, franchement, hein, allez vous prendre. Voilà, je ne le défends pas. Je dis simplement ce qui est juste. Que Dieu vous bénisse. Ciao.